ministre relira. Kanaka anga fa fala ube a kuntigi anu sage ou rafori demande na ran na barre président Mamadi Doumbouyara anu population fan na ran kala re mura ministre be santé a rafira anan engagement na ran tongori a et ambulance représente une réponse pour ces engagements-là. Mon grand ministre Naga, un président Galira, un mon grand ambulance fille, dans une population minima. Aïta ambulance, aoutanan Guéara, aoutanan Lama, aura Araba, c'est Naga et ambulance Soto. Cabinet de ma ministère, à Baranoeuvre en Lille, à Singenaya, gouvernement, à Ha, ambulance fille, centre de santé amélioré. Donc, on va faire la compte libre, à nous mourir pour libre, à Naran Nabare, à président, à nous ministre Naran Nabare, à Singenaya, ambulance Rafi, centre de santé amélioré. Donc, Nagalira, et ambulance Farené, Alako, Ara au Mali, aura santé à Fera. Autant Mara Arame Bé, Obara Abara Falabé, Birimara Fala, Atanenena, Carrefour, Carrefour Rouyabé. Sous-préfecture Pirihan Sara à Birin d'Angima Bénin. Donc, Aksiran Nagan Naba Mabé à Moula Hara à Yire Pirin Alo Sarana la Guinée à Rabat et Nagay. Donc, Naga Fera, président, ministre, président Galira, à Mourapa, Moura Yambulance Ouira. Je m'adresse à vous ce soir avec une joie immense. Je ne saurais m'exprimer tellement ma joie, elle est grandiose. L'octroi de cette ambulance au centre de santé amélioré de Tanené vient à un moment où nous l'attendions. Vient à point nommé, puisque l'ambulance qu'elle avait est complètement gâtée. Avec ses maigres moyens, Madame la chef de centre amélioré de Tanené se bat corps et âme, jour et nuit, pour sauver des vies humaines. Vous me permettrez de parler d'elle aujourd'hui. On ne se réunit pas tous les jours à Tanené, on n'a pas tous les jours une ambulance à Tanené. Mais laissez-moi vous dire que cette dame, elle est très brave. Je suis la DPS de Dubreka depuis un an et six mois. Au début, je me disais, mais est-ce que la dame qui est à Tanené, elle est de taille? Mais au fur et à mesure, vu les évaluations, j'ai vu qu'elle se battait beaucoup. Et lors du passage de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le grand Kuntigi de Buramaya, Elhaj Serouna, a fait un cri de cœur. Il s'est adressé à notre ministre en ces termes, qu'il y a trop d'accidents dans la sous-préfecture de Tanené, qui est un carrefour entre plusieurs préfectures, dont celle de Bofa, de Fria, et tous les passagers de Gawal, Kunda, Aboké y passent. Ce centre enregistre beaucoup de cas d'accidents, elle fait ce qu'elle peut, les patients sont sauvés, mais vu qu'on a une ambulance médicalisée maintenant, les patients pourraient être en sécurité pour les transférer dans les services spéciaux. Alors, au nom de l'inspecteur régional de la santé de Kindia que je représente, il n'a pas pu effectuer le déplacement ce soir. Il a des urgences, donc il m'a mandaté pour le remplacer et pour m'adresser à cette brave population de Tanené en son nom. Il m'a dit de vous remercier pour tout l'appui que vous apportez au centre de santé, puisque le secteur de la santé commence à la base.
on a besoin des données de la base, des postes de santé qui remontent au niveau des centres de santé. Et ce, c'est vous, nos papas, vous, nos mamans, vous, nos sœurs qui nous accompagnez. Sans vous, nous ne pourrons rien faire dans la santé. Vous nous accompagnez dans nos campagnes de vaccination. Vous nous accompagnez dans nos campagnes de planification familiale. Et tout ce que nous faisons comme activité pour ce centre, on le fait pour vous, puisque le centre de santé amélioré de Tanene appartient à la population de Bouramaya. Je ne saurais terminer cette intervention alors sans remercier mes braves agents de santé, les ATS, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins, les pharmaciens. Grâce à vous, ce centre peut tenir debout. Je remercie également M. le ministre de la Santé, Dr Mamadou Pété Diallo, qui n'a pas pu se déplacer vu les urgences, qui s'est fait représenter par le directeur national des établissements hospitaliers et de soins, Dr Kaba, pour lui dire que nous sommes très heureux. Merci à M. le ministre pour avoir octroyé cette ambulance au centre de santé amélioré de Tanene. Je remercie également les autorités de la transition, en la personne du colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des forces armées, pour avoir fait du secteur de la santé l'une de ses préoccupations majeures. Le centre de santé amélioré de Tanene a une population de 34 900 habitants. Il dispose de 20 lits en bon état, de 6 postes de santé, tous gérés par des stagiaires. Nous disposons de 2 médecins, un laborantin, une sage-femme, 2 ATS, 6 agents de santé, 34 RECO et 4 ASC, tous contractuels de la Banque mondiale. Voilà quelques résultats du premier semestre 2023. Premier contact, 6263, soit 80%. Accouchement assisté, 491, soit 81%. Médicaments essentiels, 83%. Fractures et traumatismes crânio-encéphaliques, 174 cas, dont 12 dépôts de corps. Avant de poursuivre mon intervention, vous me permettrez de dire merci à Monsieur le ministre de la Santé, via son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Merci pour cet honneur, merci pour l'encouragement, merci d'être si actif pour le bien-être de la population guinéenne. Merci d'avoir placé tous les agents de la santé de Conakry à Yomou au même pied d'égalité. On est hyper content. On est très content, très satisfait du gouvernement du CNRD. On est très satisfait, nous sommes très fiers du ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner tous les jours. Il nous encourage, il nous accompagne. On est très content et on promet de faire l'impossible pour l'accompagner dans sa mission. Beaucoup de difficultés parce qu'on a beaucoup d'accidentés. Nous sommes dans un grand carrefour. Il y a beaucoup d'accidentés qui viennent parfois. Moi-même, j'envoie les accidentés dans mon véhicule. La toute dernière fois qui m'a beaucoup choquée, j'ai envoyé un accidenté jusqu'à Rorira. L'accidenté est mort dans ma voiture. Ça m'a beaucoup choquée parce qu'il y avait des bouchons, on ne pouvait pas aller. Si c'est l'ambulance, ça peut aller très vite par rapport à une voiture. Et ça, vraiment, nous sommes à un niveau, ça va beaucoup nous aider. Bon, les engagements que nous allons prendre, c'est d'utiliser l'ambulance à bon escient et toujours entretenir l'ambulance et puis pour la bonne satisfaction de la communauté, disons de la population guinéenne. Bravo, ouais. Bravo, ouais. Ah ouais.